Aujourd'hui, on va faire de la boulot. Maintenant, pour ça, j'ai trempé ici 600 g de riz. J'ai trempé pendant 3 heures de temps. Je mets à côté d'abord. Et puis ici, j'ai 150 g de riz qu'on va préparer. On va faire la bouillie de riz avec ça. Donc, c'est déjà lavé. Je vais mettre 1 litre d'eau. Et on met au feu, on laisse cuire environ 30 minutes. Alors on a mis notre riz au feu. Maintenant, tu vois, ça c'est du maïs blanc. J'ai lavé. J'ai lavé. On va mixer. Tu veux mixer, non? On boit les petits, donc je vais faire ça en deux fois. Je vais filtrer encore une deuxième fois. Voici ce qu'on va utiliser pour notre abolo. La farine de maïs. Voilà. Ça fait environ 100 grammes, 150 grammes. Voilà la bouillie de riz qui est prête. Ça a fait 20 minutes à peu près au feu. C'est cuit. Et on va décharger. 150 grammes de riz qu'on a fait cuire. Maintenant, on va prendre notre riz ici, on va mixer. Je vais verser l'eau. Je vais faire deux fois. La moitié de la bouillie de riz. Un peu d'eau. On va se mettre ici. Mettre juste un peu d'eau. Et puis diluer 2 cuillères à café de levure boulangère. Je laisse 2 minutes. On ajoute la levure. Le sucre, ça dépend de chacun. Pour 600, le tout fait 800 g de riz. Vous pouvez en mettre 100, 150 ou 200, c'est comme vous voulez. 150 g de farine de maïs. Mélange le tout. Mélange bien. Ok, c'est bon, on va ramasser ici et puis couvrir, laisser reposer une heure de temps. Voilà. On va laisser reposer une heure de temps au moins. Et je reprends la même chose. Allez-y, faites ça. Ne remplis pas trop, hein. Juste un peu. Mets un peu encore. Mets un peu. C'est petit. Un peu, un peu. C'est bon. C'est bon. Voilà. On va faire cuire à la vapeur environ 10 minutes. Voilà notre eau bout. On va mettre nos abeilles. On couvre. Si vous avez aimé notre vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Merci, au revoir.